très bien sur l'île parce que le terroir est extraordinaire pour la plantation de canne à sucre. L'ensoleillement, la pluviométrie, le sol, tout ça, ce sont des conditions qui sont très favorables à la pousse de la canne à sucre. Maintenant, il y a plusieurs variétés sur l'île et nous, on travaille avec l'ensemble des variétés qui sont présentes. Il y en a environ une quinzaine de variétés de canne à sucre. Nous avons à cette occasion expérimenté une canne monovariétale, une seule canne, en fermentation et distillation, qui est la canne grise, avec laquelle on a eu de très bons résultats. Localement, on boit ce qu'on appelle en rhum blanc sec, c'est-à-dire naturellement, vous l'avez dans le verre actuellement, ou bien on va le prendre en coupant, je pense, quand même, c'est-à-dire les gentils principalement. Et après, on peut faire plein de choses de cocktail, faire des doritos, faire des menteurs, il y a toute une série de cocktails où on pourrait utiliser le rhum blanc et qui plus est du miel, puisque le miel est plus peut-être parfumé encore, donc permet d'avoir des cocktails de qualité.